il va simplement connaître la langue qu'il va utiliser. C'est tout. Et donc, l'œuvre qu'il écrit, elle peut être jugée comme réussie par une personne et par une autre, pas du tout. Tapi yang paling pokok di situ kalau pengalaman saya pribadi, apa hubungan kita dengan kebudayaan sehari-hari sekeliling kita? Mais pour moi, le plus important sur ce point, c'est notre rapport avec la vie qui nous entoure et avec notre culture. Dan, ya, tapi itu juga melalui bahasa. Mais tout ceci, bien sûr, à travers l'écriture. Jadi saya tidak akan mengarang bahasa baru. Je ne vais pas inventer une autre écriture pour créer une œuvre. Donc ça, c'est pas possible. Je dois emprunter mon matériau à ce qui est autour de moi. Il s'agit du rapport entre l'écrivain et la langue. Dan buat satu orang, saya kira tidak sama itu. Dia kan berjalan hidup 20, 30, 40, hubungannya dengan bahasa dan lingkungan itu terus berkembang. Par contre, c'est différent dans le cas de quelqu'un qui rencontre divers environnements et diverses langues. Termasuk pengaruh budaya asing lewat bahasa asing. Et il faut aussi prendre en compte l'influence d'une culture étrangère à travers une langue étrangère. Jadi sekarang di Indonesia ada berapa ratus bahasa daerah? Maintenant en Indonésie il y a des centaines de langues régionales. Tapi kalau dinamakan sastra lama itu ratusan itu. Jadi yang rakyat, sastra rakyat, folklore. La littérature populaire, le folklore en Indonésie, ça représente des centaines de langues. Sastra dalam bahasa Indonesia. Ada dua salah paham kadang-kadang masih saya ketemu. Il y a deux incompréhensions à propos de la littérature en Indonésie, de la littérature indonésienne dont je voudrais vous faire part. Bukan hanya orang Aceh, tapi orang Indonesia. Chez les Indonésiens eux-mêmes. Kurang sadar akan sejarah bahasa Indonesia. Les Indonésiens eux-mêmes n'ont pas suffisamment la conscience de l'histoire de leur propre langue. Perkembangan bahasa Indonesia. Dua, ada sejarah lama. Il y a d'abord l'histoire ancienne de la langue indonésienne. Sebelum ada pengertian politik Indonesia. Sans qu'on parle du contexte politique ou d'importance politique. Dan punya sastra tinggi kira-kira di abad 15-16. Il y a une littérature en indonésien, donc en malais, hein, depuis le 15e, le 16e siècle. Jadi itu dikenal justru namanya sastra Melayu. Et cela est connu sous le nom de littérature malaise. Jadi keputusan politik bangsa Indonesia menghadapi situasi politik kira-kira 150 tahun dijajah oleh Belanda, Nusantara archipel yang begitu luas. Et donc après il y a l'influence du colonisateur sur cet immense archipel nusantarien. Dengan banyak ragam budaya dan bahasa. Avec une grande variété de cultures et de langues. Sebelum abad ke-19. Avant le 19e siècle. Ya, pengaruh bahasa waktu itu dinamakan bahasa Melayu. Et l'importance, et à l'époque, la langue qui était importante, qui était influente, c'était le malais.